Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que vous aussi. Donc voilà, on va continuer pour novembre, d'accord? Les signes sont là. Donc on mélange. D'accord. Et nous avons le cancer. Allez, donc on va voir pour novembre les petits messages que je peux faire passer pour vous. Les cancers. Allez, on y va. Mélanger aussi trois fois comme ça. Donc là, je fais toujours trois fois. Alors le cancer, je vois beaucoup de, il y a, je sais pas, une envie peut-être d'évasion, envie de bouger, envie de déplacement, envie de voyage. On parle cancer, il y a, on leur dit d'aller de l'avant, on leur dit d'avoir confiance, on leur dit également de continuer sur leur cheminement, on leur dit également, je vois beaucoup de force, caractère assez affirmé. Je vois également, il y a quand même une notion du signe du lion. Alors attention, ça peut être un ascendant, comme des choses proches au niveau du cancer. Il y a des choses aussi qui vont beaucoup peut-être les attirer, une attirance sur certaines choses qu'ils vont avoir envie d'exploiter. Ça peut être, comme je te dis, il y a une envie de voyage, de bouger, de déplacement. Après, ça peut être aussi des choses qui vont tourner en rond, quelque chose, voilà, où il va y avoir certaines attirances physiques. C'est plutôt sur du physique que autre chose. Alors, on parle qu'il y a des choses où on va avancer, où on va essayer, on va foncer et tout. Mais faites quand même attention. Hein, on parle de ça. Il y a aussi, concernant les signes cancer, ça peut être une rencontre. Quelqu'un voilà, qui va être loin de toi, quelqu'un où il y aura une longue distance pour vous voir. Hein, voilà, ça peut être une distension parce que très géographique. Ça peut être loin ou moins loin, mais bon, il y a ça. On parle aussi concernant le cancer, je te le dis. Un homme, une femme, après ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Mais il y a toujours quelque chose, une distance. Il peut y avoir aussi, allié à ça, je te le dis, j'ai encore le lion, j'ai le mois d'octobre. Mais bon, hein, on te dit d'avoir confiance aussi. Alors attention, ça peut être que tu doutes de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, etc. Bon, voilà. Il y a ce genre de choses. Au niveau cancer, j'ai des blocages. Ils peuvent tourner en rond, ils peuvent avoir beaucoup de pensées. Ça peut être des blocages professionnels, peut-être qu'ils hésitent sur certains projets. Hein, ils ne savent pas trop s'ils doivent faire marche arrière ou aller de l'avant. Après, il y a le côté sentimental aussi, il peut avoir des blocages, hein, des choses du passé qui peuvent leur revenir en mémoire. Ils ne savent plus s'ils doivent faire marche arrière ou aller de l'avant. Bon, après, il y a aussi ce truc de tatouage. Donc après, il peut y avoir quelqu'un qui peut être tatoué. Ça peut être aussi professionnellement, hein, que il peut y avoir voilà des personnes qui travaillent dans ce milieu. Mais il y a des choses au niveau du signe du cancer qui vont leur tourner en rond dans la tête. Des choses où on aura envie de bouger, de voyager. Ça peut être loin comme pas loin, mais bon,
On parle de chance aussi pour des cancers. On leur dit d'avoir confiance. Voilà, et que s'ils ont bon, des projets, des envies. Bon, après, le truc, c'est que si on tourne trop en rond et qu'on est trop à penser et pas assez dans l'action, bon, ils vont pas trop avancer. On parle aussi au niveau des cancers, de bon, certains peuvent penser à quelqu'un, mais c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, quelque chose qui reste ou qui sera sur du platonique hein, au niveau de certains cancers. Bon, alors on peut avoir un secret dans le cœur, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des cancers ou inversement qui en secret ont certaines pensées pour quelqu'un. Ça peut être d'un côté comme de l'autre. Il y a quelqu'un aussi qui peut avoir les yeux plutôt foncés. Je vois beaucoup de secrets sur des choses assez platoniques. Donc, voilà. Après, il y a aussi un projet qui va se faire, des choses sur un déménagement. Alors, bon, il peut y avoir des projets. Hein, des projets, voilà, hein, des choses qui vont se dire, un déménagement, quelque chose qui va peut-être arriver, hein, voilà, parce que j'ai cette notion quand même de déménagement. Après, bon, il peut y avoir aussi hein, une femme, un homme qui parle de ses projets, hein, voilà, que il va y avoir un déménagement avec quelqu'un, etc. Mais ça peut, malgré ça, on peut aussi avoir dans le cœur quelque chose pour une personne, quelque chose que on ne dit pas. Malgré que, bon, on parle de déménagement, etc. Après, donc, je vous disais, on est sur du cancer, mais on a du scorpion. Et que, bon, il peut y avoir quelque chose, voilà, de où il se passe rien, quelque chose qu'on a dans le cœur, mais qu'on ne dit pas, tu vois, qu'on ne va pas dire à quelqu'un d'autre. Parce que, après, bon, on peut avoir aussi ouvert son cœur à quelqu'un, tu vois. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qu'on a connu du passé, ou bon, ben, il y a eu du changement, etc., etc. Hein, j'ai quand même des choses où, bon, j'ai l'impression que il y a quand même quelque chose où on a dû avoir un passé avec quelqu'un, d'accord? Parce qu'il y a quand même les pages, etc., hein, donc, par rapport au cancer et à du scorpion. Sauf que, bon, il y a une autre femme. Donc, il peut avoir une autre femme, d'accord? Moi, je vois quelqu'un d'assez superficiel, d'ailleurs, dans les sentiments. Donc, quelqu'un peut-être avec qui, broum-broum, on a commencé quelque chose. Bon, mais je n'ai pas l'impression que, en tout cas, il y a ou c'est la femme ou c'est l'homme. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, dans la relation présente qui est assez superficielle, si vous voulez, au niveau des sentiments, d'accord? Attention, ça peut être la femme comme l'homme, mais voilà, d'accord? Il y a plutôt quelqu'un qui est branché, on va dire, sur ce que l'homme ou la femme lui ramène à la maison, c'est-à-dire l'argent, d'accord? C'est pas, il y en a un des deux, je suis désolé, hein, qui est avec quelqu'un, mais c'est un homme ou une femme qui est vénale, tandis que l'autre ne l'était pas, d'accord? Bon, après, voilà, hein, c'est des choix de vie, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu du mal, vraiment, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, quelqu'un, bon, qui pouvait... voilà, hein, avoir aussi des relations très superficielles et bon, ben, qui se retrouve dans une situation relationnelle, sentimentale assez compliquée. Mais ça, après, c'est normal hein, parce que quand on ne réfléchit pas, quand on ne sait pas réfléchir avec son cœur et qu'on va dans des relations sexuelles, superficielles, homme-femme, après, voilà, hein. Voilà, il faut savoir aussi réfléchir à ce que l'on fait, d'accord, de sa vie. Parce que, bon, moi, j'ai quand même ce truc
de relations, bon, ben voilà, hein, ou des secrets, ou on allait sur des trucs superficiels, et que maintenant, bon, tu auras beau réfléchir aux conséquences dans laquelle tu es dans quelque chose de très superficiel, ou bon, c'est que illusion. Hein. Moi, je vois pas quelque chose où vraiment on s'aime. C'est basé sur l'argent, sur l'aspect, comment dire, construction. Oui, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, hein. C'est tout faux. D'accord? Donc après, bon, c'est quelque chose entre un homme et une femme qui n'est pas réel, qui n'est pas sincère. C'est basé que sur ce que l'autre peut apporter. Voilà, c'est pas de l'amour. D'accord? C'est une construction. Il y a une vénalité, d'accord, dans tout ça. Et bon, après, bon, hein, bon. Donc pour moi, ce truc-là, au niveau homme-femme, pour moi, je suis bien désolé, mais ce n'est pas des âmes sœurs. Ce ne sont pas des âmes sœurs. Ce n'est pas quelque chose qui est réel. Alors, voilà, parce qu'il y en a, c'est ce truc où ils font n'importe quoi. Voilà. Ils font n'importe quoi de leur vie. Hein, on parle des cancers, il y a cette notion du scorpion, hein, donc ça peut être l'ascendant du cancer, ou l'homme ou la femme qui est dans une vénalité, mais c'est pas sincère, il n'y a rien de sincère, et que quelque part on parle d'échec et mat, hein, d'échec et mat sur des cancers, des choses où, pour moi, ce sont eux-mêmes ou inverse vis-à-vis de relations sentimentales où ils provoquent de toute façon leur. S'il y en a, si vous voulez, alors soit il y en a, ils sont seuls à l'heure actuelle, il y en a, ils ont quelqu'un, mais il y a quelque chose qui pourrait être mieux pour eux, mais. Il y a ce truc où c'est à eux, d'accord, à eux, à régler cela. D'accord? Quelque part, c'est eux-mêmes qui provoquent leurs échecs, leur destruction de vie. Donc c'est ou les cancers, ou face au cancer. Mais voilà, d'accord? Alors, bon, voilà, il y a ce truc dans leur vie sentimentale qui ne va pas. Alors, ça peut monter à très loin, ça peut être aussi au niveau de leur famille, le père, la mère, parce qu'il a pu aussi avoir quelque chose, si vous voulez, papa, maman, destruction familiale, etc. Le voyez, les racines, le cocon. Mais bon, moi, au niveau du cancer, bon, ça ne va pas. Et c'est pas parce que vous allez bouger, que vous allez voyager, c'est pas parce que vous allez partir en week-end, machin, bidule, que vous allez être heureux sentimentalement. Parce que c'est ce truc où ils ouvrent sincèrement leur cœur, mais c'est pas vrai. C'est ce truc où il y a trop cette vénalité sentimentalement. D'accord? Alors, il y a ce truc aussi des sentiments de contrat d'âme, etc. Mais ça va toujours sur des choses. Alors, en plus, on peut, dans certaines relations, ils peuvent aussi se cacher des choses. Tu vois, faire penser que tout va bien entre eux, machin, bidule, mais c'est faux. Tu vois, c'est ce truc, moi, sentimentalement, ça va pas. Hein, c'est l'échec. On se sent seul, l'amour n'est pas réel, et puis des deux côtés, par exemple, lui ou elle peut parler de lui ou elle, enfin, bon, moi je vois des choses qui vont pas. Alors ensuite, on a je te parlais, hein, donc on est sur du cancer, d'accord? Mais il y a d'autres signes, il n'y a pas que le cancer, autour d'un cancer. Bon, alors je t'ai parlé, je t'ai dit les signes déjà qui étaient sortis. Maintenant, on est sur du poisson. Bon, et bon, au niveau poisson,
Il peut y avoir un lien, par exemple, avec du scorpion, allié aussi à du cancer. Bon, et que, bon, au niveau famille, par exemple, bon, voilà, la famille, par exemple, du cancer, moi, ça va pas, hein, ça va pas. J'ai la famille, par exemple, du cancer, où beaucoup d'échecs, et ça, je te l'avais dit au début. Donc, destruction familiale qui peut avoir des répercussions sur la vie, par exemple, du cancer, qui peut essayer, si vous voulez, d'avoir des relations vraiment d'amour, mais ça ne marche pas. C'est parce que si, par exemple, tu as, des cancers que le père et la mère, si vous voulez, eux-mêmes se cacher des choses et qu'il y a eu la destruction au niveau du cocon familial et qu'on n'a pas réglé tout ça, c'est compliqué après soi-même de se recréer une famille, tu vois. Quand tout le monde se cache des choses, le père par exemple et la mère par exemple d'un cancer, et qu'après le cancer plus tard ben, répète les mêmes choses, tu vois, c'est le truc du schéma répétitif, tu vois, qui a un lien de toute façon aussi, je veux dire, avec certains poissons, et que bon, voilà, et que moi je suis désolé, je les vois pas heureux, d'accord, je vois pas heureux. Après, le problème, c'est que je te l'avais dit, au niveau, par exemple, de certaines, le père, la mère, en étant de certains cancers, bon, ben, il y a pu aussi avoir, dans le couple du père et de la mère, où la structure a tout cassé. C'est-à-dire que si, par exemple, le père et la mère avaient un amant ou une maîtresse, et que on a dit, par exemple, chute, quand ils étaient petits, chute, tu le dis pas à papa ou à maman, t'imagines ce que c'est sur les épaules, par exemple, de gamin, de garder tout ça. Tu vois, déjà. Donc, je te dis pas les répercussions que au niveau de la construction ensuite, déjà le poids sur des enfants, de garder tout ça dans le cœur et de savoir tout ça, que par exemple, ton père et ta mère ont un amant ou une maîtresse, t'imagines. Bon, comme c'est dur. Après, donc, du coup, toi, tu passes, il y a les années qui passent, tu grandis, et tu reproduis exactement le même schéma, par exemple, que tes parents. Forcément, tu fais les mêmes choses. D'accord? Donc, après, toi, quand toi, en tant qu'adulte, tu essayes d'avoir une famille ou des enfants, c'est très compliqué. Bon. Et qu'ils reproduisent, c'est-à-dire, ben, ils font pareil. C'est-à-dire, ils vont avoir quelqu'un, mais ils font pareil. Donc, voilà, ils ont quelqu'un, mais après, ils ont quelqu'un d'autre dans le dos. Forcément, ils font pareil. Mais ça, c'est les bases de quand ils étaient petits. Alors, comment tu veux te construire quand déjà ton père et ta mère se cachaient des choses? Comment tu veux arriver à pas... Tu reproduis, en fait, quelque part, ben, ce qui s'est passé pour ton père et ta mère. Du coup, à chaque fois, ça ne marche pas. À chaque fois, c'est la destruction. Et même si tu essayes. Alors, bon, le problème, c'est que ça fait beaucoup de casse. Beaucoup de casse. Et que même s'ils essayent d'ouvrir leur cœur à quelqu'un, ça va pas. Voilà. C'est compliqué pour certains. Alors, bien sûr, comme, bon, ben, ils répètent tout, bon, ben, ça casse des relations. Et même s'ils essayent, donc forcément, si par exemple, en tant que cancer, tu as quelqu'un ou que tu as eu quelqu'un et que l'autre apprend que tu le fais cocu ou je sais pas quoi, il va te dire bye bye. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Le cancer, homme ou femme, pour certaines. Après, ça peut être en face de toi aussi. Ah, mais le problème, c'est qu'après, bon, ben, tu apprends quelque chose. Donc, l'autre, après, qu'est-ce qu'il fait? Paf, il va avec l'autre femme ou homme. Tu vois? Mais ça ne règle pas, en fait, les problèmes de base. Tu vois? Ça ne règle pas
tes problèmes de ton enfance parce que tu as des problèmes au niveau papa et maman, pour certains. Bon, et tu auras beau, bon, te dire, bon, c'est bon. Ah, ben avec lui ou elle, bon, ben, je me suis fait avoir. Ah, ça y est, il le sait. Et tu vas avec quelqu'un d'autre. Ok, 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 tu es au grand jour, machin. Mais alors, on parle, ouais, allez, hop, on est au grand jour, allez, machin. Mais c'est pas de l'amour. J'ai l'impression que c'est encore pire ce qui arrive. Ou dans la situation que tu es. D'accord. Et que, bon, bah. Voilà, et en plus, après, on parle aussi des Gémeaux. Bon, à ça, on rajoute. Mais c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Alors, comme on découvre que, bon, ben, t'as été trompé ou inversement, paf, tu vas avec l'autre. Allez, paf, tu te cases avec l'autre, machin, bidule. Mais c'est pas de l'amour. Tu peux avoir même des gosses, mais c'est pas de l'amour. C'est que illusoire, c'est que de la poudre aux yeux. C'est pas de l'amour. Et tant que ben, on ne comprendra pas que c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Puis si on règle pas les trucs du passé. Bon, après, bon, il y a les réseaux sociaux. Oui, oui, tout ce qui est les réseaux sociaux. Alors, on peut être avec un homme ou une femme. Bon, mais. Bon, mais c'est. Oui, oui, vous êtes chez avec quelqu'un, admettons. Mais il y a ce truc où il y a quand même des choses, peut-être du passé, où on va sur les réseaux sociaux et qu'on regarde quelqu'un. Quelqu'un en secret. Quelqu'un peut-être avec qui ça n'a pas duré. Peut-être que en fait, on est avec quelqu'un d'autre ou on s'est fait griller sur du passé. Mais bon, maintenant, ben, tu es avec un homme. Sur de la superficialité, et c'est tout faux. D'accord. Bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais le problème, c'est que ce qui est fait. Tu vois, tu peux pas changer ce que tu as fait. Même si tu as eu une famille, même si tu étais en couple. Tu t'es fait griller, tu t'es fait griller. D'accord. Ça, c'est le truc. Bon. Après, on parle de tous les départs, de tout ce qu'on aimerait, etc. Mais bon, ben, si maintenant tu es avec un homme qui est super superficiel, homme ou femme, bon, c'est compliqué. Et que quelque part, on vit dans une illusion. C'est pas réel tout ça. Bon, et après, ben, le problème, c'est la jalousie. C'est le truc, par exemple, où ça réfléchit pas. C'est-à-dire que tu as autant. Alors attention, on peut parler des hommes comme des femmes. Cancer, bon. Mais après, ça peut être en face de vous aussi, hein, sentimentalement. Mais il y a la jalousie, il y a la rivalité, il y a la concurrence. Je vois les hommes, je vois les hommes, les femmes. Bon, mais bon, ben, y en a... Voilà, ils se provoquent, si vous voulez, l'échec à chaque fois de leur relation. C'est tout, parce qu'il y a trop la rivalité, il y a trop de concurrence, des choses qui ne durent pas. Mais c'est eux qui provoquent, si vous voulez, l'échec à chaque fois de leur relation. Voilà, après à ça, on rajoute une couche de bélier. Bon, voilà, et que... bon, ça va pas. Ça va pas. Après, attention, tu peux avoir, par exemple, femme. Femme. La femme, par exemple, jalouse, qui se sent en compétition, en rivalité, par rapport, je ne sais pas, à un bélier. D'accord. Mais qui peut avoir un lien avec de la famille. Hein, et que, bon, ben, elle est jalouse, par exemple, parce que il y a eu quelque chose... je ne sais pas, sur du passé, une ancienne relation, etc. Quelqu'un qui peut faire partie, si tu veux, quelque part, de quelqu'un, par exemple, qui une relation qui a fini, il peut avoir de la jalousie entre ces deux femmes, à cause d'un homme derrière, ben, que c'est sa faute. Tu vois, et c'est malsain tout ça, parce que
Pour moi, par exemple, la femme, elle se sent en concurrence avec quelqu'un qui fait partie de la famille. Tu vois? Et ça parle, ça parle. Elle peut parler dans le dos, tu vois, dans le dos de l'autre, tu vois, qui a un lien forcément avec le bonhomme, tu vois. Et ça parle dans le dos, machin. C'est super toxique en fait. Bon, et on me dit clairement oui. Et en plus, ça a un lien pour moi familial, tu vois. Donc c'est qu'ils font partie de la même famille, mais il y a pu avoir rupture par rapport à une relation et que quelqu'un a refait sa vie ou ce genre de choses. Bon, voilà. Alors, bon, on parle que, bon, ben, le problème, c'est que, par exemple, ces hommes, hein, ces hommes, ces hommes qui, bon, ben, qui provoquent, par exemple, tout seul, leur écroulement de vie sentimentale, ces femmes, qui bon, peuvent récupérer un bonhomme après derrière ou inversement. Après, s'il y a eu des enfants, machin, c'est très compliqué, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, pour genre 5 minutes, aller, ouais, du sexe, ouais, des égarements, machin, bidule, ben, ça fait des écroulements. Des écroulements. Parce que moi, je suis désolé. Ils sont après enchaînés dans des relations qui ne leur conviennent pas, ou pour moi le cœur n'y est pas. Hein. Alors après, bien sûr, comme ils se font piquer, ben, choper parce qu'ils ne sont pas fidèles, ben, ils ont le poids. Ils ont le poids et que après, pour lâcher prise sur ça, vas-y, tu vois. Bon, et dans la vie, bon. On ne les oblige pas. Hein, je veux dire, on n'oblige pas, par exemple, des hommes ou des femmes, hein, à cavaler à droite et à gauche. Je veux dire, c'est eux qui cavalent. Tu vois, c'est eux. Bon, c'est eux, ces hommes et ces femmes, qui provoquent la destruction, par exemple, d'un couple tout seul. Parce que ça cavale. C'est eux qui provoquent tout. Donc, c'est leur faute. Quand ça ne dure pas. Alors après, attention, si ils se séparent et qu'il y a des gosses et tout, il ne faut pas en vouloir, par exemple, aux gamins qui n'ont rien à voir là-dedans. Puis c'est pas la peine de parler dans le dos, tu vois, par exemple, des gamins, machin, la jalousie, par exemple, de l'homme ou de la femme, tu vois. Puis c'est pas la peine non plus de parler derrière aussi de l'ex, tu vois, machin, bidule. C'est pas la peine parce que ces gens. Cette femme ou cet homme avec qui c'est fini n'a rien à voir, tu vois, c'est pas sa faute. C'est pas la faute non plus des gamins, ok? Bon, c'est la faute de l'homme ou de la femme qui fait n'importe quoi de sa vie, tu vois. Après, bon, le problème, c'est que comme, bon, bon, on est découvert et que après, forcément, on débute autre chose, mais bon. Il y a aussi la jalousie, le côté financier, tu vois, bien sûr. Il y a le côté financier, tu vois. Quand, par exemple, bon, allez, ça marche pas ou on n'est pas fidèle et puis qu'après, bon, tu débutes quelque chose avec quelqu'un qui est super dans le sexe ou super vénal, ah, ben l'autre, l'homme ou la femme, ça plaît pas. Eh ben non! Mais non, parce que bien sûr, l'argent, eh oui, l'argent, eh oui, l'homme ou la femme va se dire putain, oh, y a des gamins et tout ça, il y a la jalousie, ça cogite, ça, on y pense, bien sûr. D'accord, allié aussi, bon, à du Capricorne, hein, donc il peut, attention. On parle des enfants, etc. Ah oui, donc il peut avoir plusieurs enfants, hein, sur des choses passées aussi. Communication, ah oui, et oui, et oui, communication. Ben oui, la communication, par exemple, sur des couples où ça n'a pas duré, mais il y a des enfants et qu'on a pu aussi avoir d'autres enfants avec quelqu'un d'autre. Et ça,
Ça ne doit pas plaire à un homme ou une femme, qui est beaucoup dans la vénalité d'ailleurs. Bon, très superficiel, que ça soit un homme ou une femme. Bon, d'accord. Et que de toute façon, c'est ce genre de relation, pour moi, n'est pas sincère. D'accord. Il n'y a pas de sentiment. Ok, bon, voilà. Pour moi, c'est que de la poudre aux yeux. Tout est faux, si vous voulez, dans ce genre de relation. Hein. C'est vraiment la superficialité. Je dirais même que c'est pire que l'ancienne relation, présent ou futur. Ah ouais. Alors, bien sûr, quand ça casse comme ça et que tu récupères l'autre, bon, ben, tu y mets beaucoup d'espoir, tu vois. C'est-à-dire que l'homme ou la femme pense que, oh putain, ça va pas être pareil. Mais... Bof, hein. Pour moi, l'homme ou la femme qui se dit, oh, putain, il y a la destruction, ben moi je commence quelque chose de nouveau, hein, que ça soit quelque chose qui est déjà d'actualité ou qui va arriver, ben la personne se trompe, tu vois, parce que de toute façon, c'est quelqu'un pour moi qui a le cœur fermé. C'est le cœur qui est fermé, en plus, déjà, rien qu'au niveau de l'enfance, laisse tomber. Déjà, en plus dû à ce gros échec sur une ancienne relation, je pense que c'est pire. Ah, c'est encore pire depuis, présent ou futur. Ouais, ouais. Et que pour moi, il y a un homme ou une femme qui, je vois beaucoup de jalousie, sûrement sur une ancienne relation. Donc, cet homme ou cette femme le sait. Mais va pas aller dire au type ou à la femme. Elle va pas aller dire par exemple à son nouveau compagnon, ah je sais que bon tu peux que depuis que ça s'est cassé la gueule avec lui ou elle, bon c'est encore pire qu'avant. Tu vois? Et que moi j'ai cette jalousie. Et en plus, il doit avoir aussi une rivalité avec les gosses et les machines comme ça. Parce que peut-être que maintenant ils ont des enfants, mais qu'il y en a eu avec quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être se dire, même, ouais, si je fais un enfant, peut-être que. Non, non. Et que moi, je suis désolé, désolé, désolé. Mais. Je pense pas que les choses changent. Non. Je pense pas que cet homme ou cette femme ouvre le cœur même à la nouvelle ou nouveau. Non, non, non. Non, non, non. C'est quelqu'un qui vit pas en paix. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de ses souffrances quand il ou elle était petit. Le père, la mère. Il y a trop de souffrances déjà quand il ou elle était petit. Et puis en plus, comme ça s'est cassé la gueule sur une ancienne relation et qu'on a essayé de rebondir sur autre chose... je pense que ça n'a pas forcément arrangé les choses. D'accord? Bon. Voilà. Et que, écoutez, quand on se met avec un homme ou une femme, il faut être sincère. Il faut être sincère. Il ne faut pas cacher quelque chose à l'homme ou la femme. Donc forcément, si l'homme ou la femme est sincère avec toi, il faut la même chose. Il ne faut pas lui cacher quelque chose. Voilà, et forcément, et ben ça fait quoi? C'est malsain, parce que ça farfouille à droite et à gauche. Forcément, quand l'autre l'apprend, il fait quoi? Il va lui dire stop, j'en ai marre. Et puis même, on ferme le cœur. Bon, et que, bon, ben, il y a tout qui se casse la gueule, d'accord? Bon, alors, peut-être que on aimerait pouvoir se libérer de ses souffrances déjà petite enfance. Pouvoir dire beaucoup de choses. Mais, bon, ben maintenant, on est dans une cage, parce que on peut avoir quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà, hein, bon. Mais après, voilà, le problème, c'est que quand on joue au diable, homme-femme, ben forcément, un jour, ben, tu le payes. Quand tu joues au diable avec un homme ou une femme, un jour, tu le payes.
et ça te coûte cher au niveau de ton couple, de ta famille, de tes gosses, machin. Mais c'est normal. Mais c'est normal parce que si tu rencontres un ange, mais que toi tu n'es pas droit ou droite, et que l'autre apprend ce que tu fais et que tu es infidèle, non, mais au bout d'un moment, c'est bon. L'ange, peut-être que il peut essayer de te faire prendre certaines choses conscience. Mais si tu continues et que tu fais n'importe quoi avec un homme ou une femme, l'autre a beau être un ange, eh ben, il en a marre. Il en a marre de tes égarements. Il en a marre de tes relations cachées. Et à un moment, on te dit basta, quoi. Et c'est l'écroulement, en fait, de certaines familles, de certains couples qui, après, bien sûr, ne comprennent pas. Non, parce qu'attends, en plus, ils ne comprennent pas. Parce qu'attends, ils ont du mal à ils n'arrivent pas, en plus, à dire ou à admettre que ce sont leurs fautes. Ah non, non, ils n'arrivent pas à admettre et à prendre conscience que si leur famille, leur couple se brise, c'est eux. Oui, non, 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 non. Mais si, si, si. Parce que pour des histoires, par exemple, de fesses, ils écroulent. Déjà, ils font du mal à la personne qui est sincère ou qui l'a été. Déjà. Mais comme ils ne comprennent pas que ce sont eux qui font l'écroulement, par exemple, d'un couple, ben, ils continuent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ben, on apprend tout ça, non, mais ils ne vont pas revenir et te dire, ah, dire je suis désolé, c'est moi qui ai déconné, et patati. Non, non, ils font quoi? Ils vont avec l'autre. Mais sans prendre conscience de ce qu'ils font. Ah ben non, 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 non. Non, 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 vas-y. Alors, comme ils font n'importe quoi, bon, ben, ils vont sur l'autre relation. Mais qui est encore pire, parce que c'était quelque chose de caché, voilà, ou c'était qu'un égarement, et c'est pas de l'amour. Voilà. Et c'est pas de l'amour, ou alors cela pas, c'est pas, ou alors ça va pas être. Hein. Bon, et que, ben, comme on fait n'importe quoi dans ces couples, bon, forcément, on va pas rester avec toi. Mais non, parce que si tu as quelqu'un et que tu le prends pour un idiot, l'autre il est sincère, et que toi tu l'as cavalé sur des choses passées, mais le pire, c'est que ça ne règle pas ton passé. Déjà, parce que ton passé n'est pas réglé. Et vas-y, c'est pas grave. Allez, on va avec l'autre. Mais avec l'autre, moi, je pense pas que c'est le top. Non plus. Parce qu'on ne prend pas conscience. Voilà, de choses du passé, les anciennes relations. C'est des relations même sur des nouvelles qui n'iront pas. C'est des couples en plus, les nouveaux là. Les crises, les clashs, les disputes. Voilà. C'est que des trucs profits, machin. C'est encore pire que sur le passé. Pire. Pire. Et il y a des passés douloureux qui remontent aux racines, je te l'ai dit. Des échecs au niveau papa, maman, homme, femme, qui essayent, oui, 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 mais bon, ils reproduisent. Et quand, par exemple, le couple pète, ou qu'il y a des choses qu'on découvre, oh, ben, ils comprennent pas. Puis en plus, ils admettent pas les erreurs. Hein. Donc, eh ben, forcément, ça se répète. Pour moi, il n'y a pas ce truc de la fidélité, de la loyauté. Et là, c'est encore pire, on a fermé le cœur, même si
Même si par exemple là tu es célibataire ou quoi, il y a des choses sur le passé, toi, ta vie sentimentale, des choses familiales, ça peut être toi comme la personne en face, mais voilà. Et après, ils essaient, ils ont l'espoir, ça peut être un côté comme de l'autre, de faire quelque chose sentimentalement, mais non, mais non, mais non, non, non. Mais non, mais non. Non. Voilà. Non, non. Ils ont les cœurs fermés. Des hommes, des femmes. Alors attention, ça peut être parce que je te l'ai dit, parce que le père avait quelqu'un, parce que le père était superficiel, ou la mère. Bref. Sur des choses de l'enfance et que tout ça, tout se répercute. Voilà, et que ben on répète les schémas répétitifs, le manque d'amour du père, de la mère, le type le père, la mère ou la mère qui avait un amant, bon, le manque d'affection, le manque d'amour quand on était petit, et tout ça, ben voilà. Il n'y a pas eu cette libération. Tout ça n'a pas été réglé. Déjà, au niveau familial, ça fait des destructions dans le cœur. Quand on était petit, puis après, bon, ben, ça fait des répercussions liées aussi au niveau sentimental. Voilà. Voilà. Et que... En plus, il y en a, il devait, il y a le truc flamme jumelle. Quelque chose d'assez fort au niveau des cancers, où il y a eu sûrement la fin d'une relation, où on a essayé de rebondir, où on va essayer de rebondir sur quelque chose où c'était caché, que ça a été, que maintenant c'est découvert. Mais bon, voilà. C'est, voilà. Et que, bon, bah, vu que... on a fait n'importe quoi et qu'en plus on ne veut pas admettre les erreurs du passé, bon ben on est sur quelque chose où on a fait le choix bon, d'aller sur un nouveau chemin ou alors on va le faire. Mais on est sur de la superficialité au niveau d'une relation. Maintenant, ben, présent, futur, de toute façon, il y a l'emprise et que c'est très compliqué. Très compliqué. Et il y en a, bon, ben, il y a des disputes, voilà, au niveau de l'argent, machin, ça clash. Bon, ben voilà. Mais c'est normal, c'est normal. Ben, c'est pas sérieux. Et ça te trahit, et ça te trompe. Voilà. Ah, ben, c'est clair, Nathan, franchement, voilà. Parce qu'il n'y a pas le sérieux. Alors déjà, au niveau papa, maman, ou des choses comme ça. Hein. Déjà. Donc, papa, maman, tromperie, machin, destruction familiale. Après, bien sûr, sur ça, comme je t'ai dit, on essaye de se construire en tant qu'adulte. Mais après, ça répète les schémas du passé. Et qu'il n'y a pas d'équilibre. D'ailleurs, j'ai la balance liée à ça. Forcément, comment tu veux te construire, avoir un équilibre déjà comme petit, laisse tomber. Bon, ben voilà. Alors vas-y, après, pour être en couple, quand ton père et ta mère ne t'ont pas donné l'équilibre, il n'y avait pas la fidélité déjà là. Vas-y, après, vas-y. Donc après, ça fait le genre d'homme ou de femme, tu sais, le macho man, machin, ou la femme, pareil. Voilà, qui fait n'importe quoi de sa vie. Pour certains. Et pourtant, il devait avoir, je sais pas, on parle quand même de liens profonds. Profonds.
mais pas la fidélité, et que des relations qui se sont écroulées ou qui vont se écrouler, et qu'après, bien sûr, on va essayer, comme on est découvert, d'aller sur autre chose. Mais bon, et après, il y a la colère, machin, tout ce qu'on doit garder intérieurement, il y a de la vierge aussi. Mais ce truc où du mal à comprendre, du mal à prendre conscience que on n'est pas sérieux et que c'est pas. En plus, on peut dire que c'est la faute de l'autre. Mais en réalité, non. Et ils ne sont pas heureux. Voilà. Ils sont dans une cage. Ils sont tristes, mais ça, ils vont pas. Ils disent qu'ils sont heureux, qu'ils ont une vie super avec un homme ou une femme, présent ou futur. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Et bon, après, bien sûr. Bon, ben, ils essayent d'aller sur autre chose, mais c'est que des relations pansement. Et pour moi, c'est pas réellement de l'amour. Et voilà, lié à ça, on a du taureau, machin. Mais bon, voilà. Et que même, je vais te dire, au niveau du père et de la mère, qui devaient se tromper ou qui se trompaient, machin. Hein, bon, bref, ça peut être du côté, par exemple, du cancer ou inversement. Mais bon, il y a ça. Même les parents. Des rencontres au travail, vas-y, que le père, la mère, vas-y, qu'ils se cocufient, machin. Voilà, et après les enfants, ben, ils apprennent des choses, et après ils essayent, ils savent tout ça, ils essayent de se construire. Mais comment tu veux te construire après en tant qu'homme ou femme? Ils répètent tout. Alors ils peuvent être amoureux. Mais ils répètent les schémas. Et du coup, ils sont pas fidèles. Et après, ça se casse la gueule. Mais ce qu'ils essayent de rebâtir, c'est que des relations pansement. Parce qu'ils ont la souffrance aussi quand ils étaient petits. Et vas-y, qu'ils se trompent et machin. C'est tout. Alors attends, je te dis, ouais, il y en a, ils ont eu des enfants déjà, au passé. Après, comme. Bon, il y a eu des. On découvre des choses, machin, on se met avec quelqu'un d'autre, et vas-y, que pour oublier certaines choses parce qu'on a souffert, et vas-y, qu'il y en a un des deux, après finalement on fait un gosse, et machin. Mais. Bon. C'est. Voilà, ça va pas. Ça va pas. Je suis désolé. Ça va pas. Et que. Au niveau de ces nouveaux couples, présents ou futurs, bon ben on est peut-être même encore amoureux de quelqu'un du passé. Et que si vous ne réglez pas tout ça, ça n'ira jamais, mais dans vos vies, jamais. 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 Ils sont pas heureux. Dans ces nouvelles ou les rencontres là qui vont arriver, il y en a, ils sont déjà ensemble, mais ça va pas. Genre, oui, on est heureux, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas cet amour. Ah, je suis désolé, mais après, bon, bah, ça, le problème. Bon. Ouais, parce qu'il y en a, ils foutent en l'air, bon déjà au niveau du cocon familial, là je t'ai expliqué. Puis après, bon, bah, ils commencent en tant qu'adultes, ils veulent quelque chose, mais ils font des projets, mais vas-y que ça se trompe. Il y en a un des deux qui trompe. Bon, après ça se casse la gueule, voilà, alors après bien sûr il y a les changements. On essaye d'aller sur autre chose, mais ça va pas, hein, écoutez, non. Parce qu'il y en a, en plus, ils ont du mal à oublier des choses du passé, hein, sur d'anciennes relations. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Et que
Il y a des choses, par exemple, qu'on n'arrive pas à oublier sur du passé, mais on a fait n'importe quoi. Et comme ça, il y a tout qui pète au grand jour, bon, ben, on va sur autre chose, mais il n'y a pas d'amour. C'est pas du vrai amour. Il y en a même qui peuvent penser à des rencontres passées. Ils essayent de se reconstruire sur quelque chose où c'est vénal, où il n'y a pas d'amour. Voilà. Parce qu'il y a eu des séparations passées, des destructions, de lourdes épreuves. Donc, ils se séparent. Après, l'homme ou la femme, bon, essaye de faire sa vie, machin. Mais aussi, c'est compliqué. Puis après, chacun fait sa vie. Mais pas, voilà, et c'est pas les personnes qu'il faut. Parce qu'en plus, il y en a qui ont du mal à oublier quelqu'un du passé. Voilà. Il y en a, même à la limite, ils aimeraient bien revenir sur du passé. Mais bon, après, si tu es sur autre chose avec quelqu'un, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Bon, ben voilà. Et bon, ben c'est pas de l'amour. Moi, je suis désolé. Alors maintenant, il y en a, ils sont célibataires. Et puis, il y en a, maintenant, ils sont en couple. Hein. Sur, bon, ben, tu as dû être avec quelqu'un, tu l'as trompé, machin, bidule, tu as été découvert. Bing, bam, tu as rencontré quelqu'un d'autre, puisque bon, ben, ça s'est su. Donc voilà, maintenant, tu as des épreuves, c'est compliqué, mais tout ça, tu le dis pas et tu le caches. D'un côté ou de l'autre. L'autre, maintenant, est célibataire, machin, bidule, bon. Voilà, et que bon, après, faut pas faire n'importe quoi de sa vie, hein. Il y en a, ben maintenant, ils sont dans des blocages. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.